bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45 et aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de la douce et de la belle Miss B-Girl 45. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on va ouvrir un coffret assez exceptionnel, Sophie. On va ouvrir un des coffrets les plus demandés, les plus chers. On est sur un coffret à plus de 1000 euros maintenant, dans les 1100 euros. Ouais. Parce que dedans il y a une escouade alternative qu'on ne peut avoir que dans ce coffret là, qui date tout de même de 2021. C'est donc du Soleil et Lune, vous l'aurez compris, et un coffret à plus de 1000 balles parce que c'est français, parce que c'est très rare et parce que la Dracopera Shiram alternative est magnifique. On va l'ouvrir, c'est un sacrilège pour beaucoup. Rien que la figurine, c'est 100 balles. La figurine c'est 100 balles, on va tout regarder et tout. Et il y a 4 boosters évidemment. Donc le devant il y a une carte jumbo, il y a la carte normale et il y a la petite figurine. Et à l'arrière voilà comment c'est fait. Emparez-vous des cieux avec Reshiram et Dracofeu. Ça contient donc une carte escouade brillante jumbo, une figurine, 4 boosters, la carte normale évidemment et la carte du code JCC pour jouer. Mais c'est plus valable et c'est encore le Dracofeu de gardien du pouvoir. Non mais ce Dracofeu là, je sais pas ce qu'ils ont Pokémon Company, ils te le foutent dans les trousses de la rentrée 2024, ils te le foutent dans les coffrets de 2021. Non mais depuis qu'ils en ont fait la carte, on le voit partout. Bah parce que la posture elle est cool, c'est pour ça. Ouais, mais on le voit partout, vraiment partout, de chez partout. On vous le montre une dernière fois, mais sans son emballage plastique, parce que là, c'est fini. C'est fini, ça va aller à la poubelle, tout ça, Moss Bogorl. C'est un coffret, il est magnifique. Alors, ce genre de coffret-là, c'est, tu sais, c'est exactement comme les coffrets Pyroli, Aquali et Voltali qu'on a eu avec les alternatives dedans, oui, VMAX. C'est des coffrets magnifiques. Pokémon Company en fait une fois tous les 2 ans, peut-être, des coffrets comme ça. Les gens pensaient pas les acheter et ils auraient dû. Parce que maintenant, quand tu sais qu'un coffret comme ça, ça valait 25 balles et maintenant on a plus de 1100 euros, c'est quand même une sacrée dinguerie. On a failli l'ouvrir, mais on vient de découvrir un truc de fou. Regardez, il y a un petit volet, mais on savait pas, on l'a jamais ouvert. Oh là 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 là. La carte promo a l'air nickel, peut-être un peu décentrée, mais on va la sortir. 4 boosters, dont du Harmonie des Esprits, on en a jamais ouvert quasi, voire jamais ouvert, je crois. C'est le seul Soleil et Lune qu'on a jamais ouvert. Le coffret est magnifique. Allez, on va vous montrer ce qu'il y avait dans ce coffret en détail et de près. Il y a évidemment la carte promo, c'est la seule raison pour laquelle ce coffret coûte aussi cher, la seule et unique raison, la carte donc Dracofeu Reshiram Alternative Escouade, qui est sous-slivée déjà évidemment, un peu décentrée, un peu en haut à gauche, mais il y a moyen que ça passe quand même pour un 10. Il y a moyen que le 10 passe, parce que je crois que sur les escouades c'est normal que ce soit un peu dans ce côté-là. Mais t'en penses quoi de cette carte? Elle est vraiment cool. Hein. Elle est folle, elle est belle, les textures et tout. L'arrière, il est impeccable, j'ai remarqué. Il n'y a pas de point blanc, rien de tout ça. C'est pas moi qui fixe le prix des marchés. Parce qu'elle a combien donc à peu près la carte? Ah bah la carte, si elle revient PSA 10? Ouais. Ah bah on est à plus de 1000 balles. Ok, ouais. Donc en fait, c'est pour ça que ce coffret vaut si cher. La même, mais en jumbo. Alors ça, on va essayer d'en prendre soin en vrai. Et je pense qu'on va, l'encadrer, Sophie, non? Ça peut être pas mal, hein. Parce qu'elle est vraiment belle, hein. Ça, on peut pas se permettre de rien en faire, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense qu'on va l'encadrer. La jumbo de Dracofeu Reshiram, qui est la même avec les mêmes textures et tout. Et la figurine, évidemment. Et la figurine, on va zoomer, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt sympa. T'en penses quoi, toi? Ouais. Non, franchement, elle est cool. Bon, petite figurine en plastique, mais c'est 100 balles. Donc, on va faire attention. Oui, on va faire attention. Ben, elle est valable que dans ce coffret-là. Ouais, donc... D'où le prix. D'où le prix, et dès que ça touche Pokémon, bon bah voilà, on sait que c'est cher. On sait que c'est cher. Maintenant, on en vient à nos 4 boosters. Sophie, si on est chanceux, le coffret peut être très vite rentabilisé en 4 boosters. J'ai un peu de mal à y croire. Ombre Ardente, dans lequel il n'y a aucune tag team, c'est le plus dommage. Je ne sais pas pourquoi avoir mis du Ombre Ardente, c'est vraiment très dommage. Ceci dit, il y a Alliance Infaillible et Harmonie des Esprits, 2 boosters, j'en ai jamais ouvert, ça va être l'occasion. Le tri, c'est 4, on est parti, on commence par Ombre Ardente, le moins cool. Ensuite, Alliance Infaillible, et ensuite, on ira sur les 2 Harmonies des Esprits. Let's fucking go. Allez, on est parti, Sophie, let's go. Allez. Magie. Moji. Portil. Sévipère. Parfumé.
Salamèche. Salamèche. Il est bizarre un peu ce Salamèche. Il, il a une tête triangulaire. Ouais, il est un elle peu est trop bizarre. Longue. Krabagar. Krabagar, t'as vu, il a un œil à moitié fermé. Oui, ouais. C'est ça le détail que je te disais. Ça me fait rire, voilà. Eh, c'est les copains. Ouais. Miaous. Oh, ouais, joli Miaous. Nounourson. Imagine le Dracofeu Rainbow, ceci dit. Hein. Il y a la carte la plus chère de Ombre Ardente, c'est Dracofeu Rainbow. On a réussi à l'avoir en un seul display à l'époque. Mais imagine-la. J'ai du mal à y croire, mais bon. Allez, doucement. Et c'est non. Peut-être une holo. Encore moins, boule de nœud. Et ben, pas de hit dans ce premier booster. C'est les coffrets. Ça peut dire qu'on peut avoir 4 boosters avec des hits. On peut avoir 4 gros échecs. Écoutez, c'est comme ça. On est parti pour le Alliance Infaillible, évidemment. On en a des displays de ça, hein, qui sont au coffre. Mais figure-toi, ma petite Sophie, que ces displays commencent à coûter très très cher. On est à peu près sur 2000 euros, hein, la display maintenant. C'est totalement la folie. Soleil et Lune, c'est totalement dingue à quel point ça a pris. Allez! Énergie fée! Énergie fée. Oh, bah tu pourras l'utiliser, mets de côté si tu veux. Hop, ça je regarde. Alors, la triple accélération. Oh, elle est jolie, Tentacruel. Tentacruel. Fantominus, qui est très belle aussi. Bah, on trouve ça joli parce qu'on n'en ouvre plus, c'est tellement cher maintenant. Non, mais le design est bien fait. Non, mais il y a le côté aussi prix et nostalgie qui fait qu'on trouve quand même plus joli les cartes, tu vois. Je veux dire, Écarlate et Violette, dans 10 ans, on va trouver ça joli, tu vois. Bon, ça va, elle est belle. Parce que ça va. Pois sirène. Pois sirène. Allez, reverse. Ouah. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Doucement. Oh. Ah non. Non, non, non. Non, non, non. Oh. Oh. Une petite GX. Oh, let's go. Mais on prend, mais on prend. Mais matin, midi et soir. Tortank GX. Allez. C'est pas mal ça. Mais bien sûr que c'est pas mal. En plus, elle est cadrée aux petits oignons. Je prends tous les jours. Mais tu sais quoi, je vais l'envoyer à Gradé. Je vais l'envoyer à Gradé, elle a un cadrage de fou. Et elle est pas dégueulasse. Non, ça va. Franchement, ça va. Cool pour une 3D un peu. Allez, très très beau ça. Alors ça, c'est un très beau hit. Hein. C'est pas n'importe quel hit. Hein. On parle de Tortank quand même. Hein. Ouais. On est parti pour les deux premiers harmonies des esprits de ma vie. Et Dieu sait que j'en ai ouvert du Soleil et Lune, vous le savez, pour ceux qui me suivent en live. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Booster, donc Noctali, Darkrai, évidemment. On est parti 4 entries. Allez, on est parti. Énergie Psy. Oh, Karmash. Mémoire Ball. Ah, bah ouais, voilà, bah putain, on cherchait. Bah attends, mais on l'a ouvert. Ah bah non, faut pas le dire. C'était, voilà, oui. Bon, bref. Échange des squads. Mémoire Ball, ok. Oh, on garde. Ouais, derrière, c'est qui? Elector. Exactement. Karabing. Karabing, j'ai jamais compris hein, le principe de ce Pokémon. Monarpal. Oh! Waouh! Wow. Ouais, elle est très très mimes. La petite Pikachu. Hop, on la met de côté. Ouais. Alors. Pois Chijon. Allez, la reverse. C'est pas les meilleurs, les reverse. Allez, doucement, il peut y avoir une alternative ou une GX. C'est non! Charmina. Charmina. Dommage. Par contre, une Pikachu qui était très très belle que j'avais jamais vue. Donc, vu que j'en ai jamais ouvert, je le rappelle. Dernier booster avec le plus beau des boosters pour moi. Toi, tu préfères peut-être le Noctali Darkrai, non? Ouais, les deux sont bien, mais ouais, je mettrais peut-être un... Mew Mewtwo quand même. Hein. Mew Mewtwo, let's go! Énergie fée! On est parti. Dimoclès. Dimoclès. Gouroutan. Floramantis. Floramantis. Pas évident à dire. Hein. Anchouette. Anchouette. Cosmog, je me souviens même pas. Cosmog, c'est lui qui évolue en Lunala et Solgaleo. Ok. Voilà. Tritox. Grignote. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Grignote. Larveillette. Oh. Si, on connaît celui-là, quand même. On l'a vu dans Écarlate et Violet de... Alors, un peu de Tas fois. De Mort d'Alola. Tas de Mort d'Alola. Allez, doucement. Oh non, j'y crois plus. Le rêve, le dream, peut-être. Aïe, 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 quand dommage. Cause, dommage, en plus, tu le détestes, Bagaïd. Ouais, non, il me... Aïe, 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 aïe. Bon, écoute, en vrai, je m'attendais à rien, je vais pas mentir. Ouais. En 4 boosters, sortir une carte du miracle, ça me paraît très compliqué. Mais on a quand même eu la Tortank GX, donc moi je suis plutôt satisfait.
On va vous montrer les trois cartes principales. Et voilà donc pourquoi on a ouvert ce coffret à plus de 1000 euros. C'est surtout pour la carte promo. Le reste, c'était, on va pas se mentir, bonus. Alors, j'aurais pu vendre les boosters en non trié, non pesé à 50-60 balles, mais hey, on se fait plaisir. On va pas faire une vidéo juste pour vous montrer une carte promo non plus. On espère que cette ouverture vous a plu. Le gagnant s'affiche sur la vidéo de la vidéo précédente qui était l'ouverture de l'ETB Destinée Radieuse. Voilà. Donc, félicitations à toi. Tu recevras les sleeves et tout. Contacte-moi, pardon, par Instagram avec un screen que c'est bien ton compte YouTube. Félicitations. Et il y aura quelque chose à gagner dans cette vidéo. Je ne sais pas quoi. Participez, mettez un commentaire et un j'aime. Tirage au sort dans la prochaine. Encore une fois, bisous tout le monde. Bye bye. Ciao.